Exploration jour 20. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mandotu. On se retrouve aujourd'hui pour, je pense, l'épisode final de notre let's play sur Pikmin. Et nous allons enfin entrer dans la tour de la mélancolie. Et rappelez-vous, dans le dernier épisode, du coup, on avait récupéré tous les fruits. Et sinon, en termes d'histoire, on avait retrouvé Locotacien qui était Louis et qui nous avait dit que le véritable capitaine Olimar se trouvait là où nous arrivons. Donc voilà, je me suis un peu renseigné sur le boss avant parce que je me souvenais. Parce que oui, on va avoir un boss. Ce signal serait le capitaine Olimar. Je me souviens que le boss était très angoissant quand je l'avais fait à 14 ans et j'avais très peur. C'est ce que Louis nous a dit est exact, sûrement lui. Voilà. Donc je me souviens avoir très angoissé. À l'époque, et on va devoir avoir besoin de chacun d'entre eux, mais bon, vu que le jeu semble être plus simple aujourd'hui, je pense que ça devrait aller. Je pense. Donc, on va devoir aller là. On va prendre des Pikmin ailés en priorité, voilà. Et on va rentrer dans cette montée. On a eu une note, donc voilà. Ah là là. Oh, mais c'est le capitaine Olimar. Et là, c'est le vrai. Captain Olimar? Oui, c'est lui. Il est caressé par une drôle de monstre. Oh non, le truc doré, c'est de lui faire quelque chose. C'est trop d'émotion, là. C'est terrible. Allons vite le sauver. On va prendre des rocs. On va prendre des rocs. Yeah! Non? Navré. Excusez. Oh là là, il a été inspiré! Captain Olimar! Ah ouais? Bouh! Voilà! On va tout siffler là. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Alors, Captain Olimar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, on a pu en envoyer seulement 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 6. Ouais. Il faut. Ouais, les Pikmin ils sont perturbés et ils n'arriveront pas à retourner. Drake et Brittany se proposent d'être garant des Pikmin roses, en fait, ils vont diriger les Pikmin qui gèrent Olimar. Et on peut les changer, mais voilà, on va pas le faire. Combien avons-nous de Pikmin roses? Parce qu'il nous en faut un certain nombre. Donc ça veut dire qu'avec Brittany, il y en a. Un nombre. Ça veut dire que Brittany, elle doit en avoir 7, du coup, si on en a 13. Oh là! Qu'est-ce que c'est? Voilà, bon, le monstre nous suit tout simplement. Et lui, il pense que c'est un autre monstre immortel ou un cousin. Et Alf lui dit: non, non, monsieur, le signal montre bien. Enfin, capitaine, le signal montre bien que c'est le même monstre. Donc, en fait, il faut arriver à l'esquiver. Donc bon, nous on va foncer là, voilà. Le premier but va être de fuir hein, quelque part, voilà. Donc on va passer ici et en fait, bah, Brittany, j'aimerais que dans un premier temps tu ailles ici et en fait, regardez ces ennemis, on ne peut les récolter, voilà. Nos Pikmin ils deviennent comme ça. Donc je sais qu'il va falloir que je récupère ça, Brittany. Ok, bah reste là 2 secondes. Parce que je sais que la musique est très angoissante. Donc on va demander à Brittany de nous rejoindre. Voilà. Et tu vas attendre sagement ici. Ok, là-haut c'est un raccourci. On va prendre des rocs. Hop. Non. Toi. Voilà, revenez les rocs. Ça, ça, ça. Voilà. Et ça, au pire, on fait boum boum boum. Voilà. Nickel. Brittany. Ok, on a vu le truc. Je veux que tu ailles ici. Alf. Ok, il a pu récupérer tout le monde. On envoie tous ici. Voilà. Il casse tout. Le monstre est juste là-bas. Bon, Brittany, elle est arrivée. Ah, mais c'est dingue. On voit le monstre. Ok, c'est le gros point vert au cas où.
Donc en fait la technique ça va faire de tourner en rond Brittany et nous avec les autres on va faire notre petite vie. Donc attendez, le gros point vert se rapproche de Brittany. Brittany continue ton chemin tout simplement. Là-haut je sais qu'il y a ça. On pourrait être nanana. Allez, sérieux. Les bleus, allez-y. Voilà, 20. Nickel. On va descendre. Brittany, comment tu t'en sors là? Ok, la grosse bébête, elle est. Ok, on est tranquille. Il y a une mouche qui vient m'emmerder. Là, on va faire ceci. Voilà, je récupère ça. Tant qu'à faire. Hop, nickel. Voilà, on tue un peu tout là. Non, 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 foncez dedans, voilà. Allez-y. Brittany, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, ouais, oh là là, putain, il faut pas la lâcher d'une semelle, la bribri. Voilà, nous on va ici. Nickel. Donc, on va envoyer des Pikmin ailés là-dessus. J'aimerais que d'autres Pikmin jaunes continuent. Bribri, ils sont où tes Pikmin? Qu'est-ce qu'ils me disent? Ok, ouais, t'inquiète. Bah continue ta ronde hein, tout simplement. Voilà. Alors, on a. Je veux encore un Pikmin ailé qui récupère ça. Et voilà. Donc on va oublier. Qu'est-ce qu'elle me dit à Bribri là? On va attendre les Pikmin ailés. Et tout simplement continuer un petit peu. On va avoir besoin des rocs. Voilà, on va foncer un petit peu. Hop, hop, et hop. Voilà. Vous revenez tous. Et on va faire la même. Boum, boum et boum. Voilà. Une fois que cela est fait, on va baiser ce truc-là, mais. Ouais, allez-y. Ok, attendez, 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 avant de faire quoi que ce soit. Brittany, tu vas ici. Alors attendez, on va faire des grosses rondes. Voilà, on va demander à Brittany d'aller là. Tiens. Hop. Et les jaunes. Ah, vite. Yes. Tous là-dessus. Nickel. Nickel, nickel. Je sais pas où elle est la bribri, mais. On va envoyer tous les jaunes là-dessus. Là, on va envoyer tous les rocs. On va se concentrer sur Brittany. Oula, le monstre, il arrive même très très bien. Voilà. On va faire ça. Est-ce qu'on a des jaunes? Aucun jaune. Super. Alors, attendez. Nous, en attendant, on va envoyer des Pikmin ici. Voilà. Comme ça fera un raccourci. Nickel. Bon. Voilà. Hop. Est-ce que Brittany va arriver? N'en sais rien. Vous revenez. Les jaunes sont bel et bien là. On va les prendre. Juste, Brittany. Comment ça se passe pour toi? Bon, écoute, t'as l'air de te la couler douce. Moi, je dis pas non. Ça y va. Voilà, comme ça, on est tranquille. Ok, Brittany, elle est arrivée. On va aller là. On va conserver les bombes parce que je sais qu'elles vont permettre de faire un raccourci. Hop. Voilà, vous revenez. Et là, il y a ça, là. Bon, vous en occupez. Rose, bleu. Rouge et jaune, rock, vous y allez, là je vous siffle tous. Brittany, ok, voilà, Brittany, la vie est belle et cruelle à la fois. On va lui faire faire une plus grande ronde tout simplement. Donc on va la. Ouais, on va lui faire aller ici tout simplement. Ok, on va encore envoyer. Pas des Pikmin. Ouais, on va envoyer des. Attendez, non, si, si, si. Les Pikmin ailés. Voilà. Au cas où.
Combien j'ai de Pikmin ailés là? Ok, on va en préserver, on va prendre des... pas des jaunes. Et en rock. Pareil pour lui. Brittany, elle est arrivée. Et on va attendre, ok. On va attendre. Je sais pas où il est le gros monstre. Ok, le gros monstre est là. De toute façon, les Pikmin vont arriver. Allez, non. Bon, de toute façon, c'est qu'un jaune. Quel dommage. Quel dommage. Oh non, pardi. Qu'est-ce qui se passe là? Allez-y, défendez-vous. Oh là là. C'est n'importe quoi cette affaire là. Allez-y, mais défendez-vous. Pourquoi ils se défendent pas? Allez, attendez, on va faire ça là. Je veux qu'ils se défendent. Allez-y, défendez-vous, merde. On a perdu beaucoup de Pikmin sur n'importe quoi là. Allez, un bleu. Tant qu'à faire. Oh putain! Brittany! Ouh là là! Oh là là, on a, je l'ai sauvé au dernier moment le Olimar. Oh là là. Attendez. Il y a ça. Et je suis curieux. Ah oui, oui, oui. Alors attendez. Cassé. Voilà. Nickel. On a perdu quelques Pikmin, mais bon. Elle est où, notre chère Brittany? Tu es arrivée. Alors attends. Parce que toi, tes Pikmin, ils vont arriver. Je veux que tu ailles ici. Voilà, on va lui faire une grande ronde. Très grande ronde. Oh là là. C'est terrible, cette affaire. Donc, on va récupérer ceci. On va reculer, mais... Allez-y, revenez. Voilà. Et un petit dernier. Nickel. Voilà. Donc on a fait ce raccourci. Par contre, par rapport au pont, là... Où est-ce qu'il y aurait des pièces, éventuellement? Je sais pas où est-ce qu'il y aurait d'autres pièces. J'ai l'impression de tout avoir eu. J'ai reçu un message. Je vais attendre. Je vais pas y répondre de suite. Bon, bah, de toute façon, on va continuer. J'admets ne pas du tout savoir... où sont les autres pièces, donc bon, on continue. Hein. On continue, de toute façon, maintenant qu'on a le raccourci, on peut s'en foutre un petit peu. Donc, oh, il fait sombre ici. Ouais. Attendez, on va se mettre dans une lumière, et on va demander à Brittany... Oh, attendez, là, on va se... Attendez, c'est par où? Ok, ok. Je reçois des messages, c'est dingue. Allez, Brittany, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous allez y arriver? Je veux juste voir. Ah, ah, oh, attendez. On a eu l'appel de savoir où est-ce qu'elles étaient, les pièces. J'ai vu. Non? Attendez, il faut que j'appuie sur là. Ah, ok, ils nous sont montrés. Ok, mais bon. Brittany, tu vas aller ici. Nous, avec Alf, on va continuer. Donc. Ok, on nous dit par là, mais... moi, je vais quand même continuer par là. On va prendre des bleus, surtout. J'ai pas l'impression qu'il y ait des ennemis, là. De toute façon, dès que Brittany, elle me dit, me voilà arrivé. Voilà, allez, on va attendre 2 secondes. Ah là là. Ok. Donc, les bleus et les roses. Voilà. On va y laisser Captain Charlie. Et nous, on va continuer. On va avoir besoin des roses. Là, on va envoyer les rouges, les rocs et les jaunes. Et où? Comment dire? Non. Je vais avoir besoin de vous. C'est ça que je veux faire. Non! Oh là là. Non. Ah bon, super. On va appeler tout le monde, voilà. Et je veux garder que les bleus et les roses. Alors, attendez. Les roses. Non. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait, Captain Olimar? Très bien. Attends. Je vais siffler les bleus. J'ai un jaune avec moi, comme de par hasard. Charlie,
tu vas rejoindre Brittany. Genre, tu vas. Tu vas ici pour commencer. Moi, je prends Alf et je vais par là. Ce qui me disait que les pontons sont derrière moi. Alors, attendez. Non, c'était bien par là. C'est par là, hein? Ouais, mais faut que je frôle ici. Ok. Ah, ok, on peut pas y aller comme ça. Hop. Vite. Moi, je retourne avec Brittany. Qui les rose galère, tout simplement. Charlie. On va passer par là. Ouais, il m'explique, d'accord, mais. Vous allez voir. Ah, d'accord. Ok. Non, mais. Détends-toi, frérot. Ok, non, mais revenez, 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 revenez. Revenez! Bande d'abrutis! Revenez, 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 revenez. Bon, j'ai un Pikmin Rock qui va périr, j'aime bien l'impression. Ça, allez, boum, 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 boum. Voilà. Nom de Dieu, reviens, toi. Alors, ça, c'est pour le Capitaine Olimar, voilà. Ok. Brittany, s'il te plaît, tu envoies le roc là. Et moi, avec. Non. Captain là. Je vais envoyer deux roses. Voilà. Toi, tu vas retourner ici, s'il te plaît. Oh non, mais non, Brittany, tu vas là-bas. Oh là là, quelle histoire. Brittany, tu vas ici. Voilà. Et là, je reprends Alf. Bon. Ok. On s'en sort, tout va bien. Enfin, tout va bien. C'est un grand mot de dire cela. On va avoir besoin. Ok. Est-ce que les. Eux, ils arrivent là? Ça, c'est ma plus grande question. Où est-ce qu'ils sont? Ok, l'autre, il va arriver. Charlie. Charlie, il est là. Bon. Ça va, plus de peur que de mal, en toute évidence. Ok, alors. Il va me falloir des jaunes ici. Nickel. Ah là là. Très bien. De toute évidence, il m'en manquait un pour le ponton de tout à l'heure, mais bon, vu qu'on a le raccourci, tout va bien. La jaune. Brittany. Ouais, mais d'accord, mais laissez Brittany là. Ok, il n'y a aucun problème, mais. Moi là, je veux que. Il passe par où? Mais attends. Il passe par là? Ok, bon bah Brittany. Comment t'expliquer? Tu vas aller. Ici, déjà, pour commencer. Voilà. La vie est belle. Donc on est arrivé là. On doit aller là, je crois. Ok, là, on va y tège. Charlie, on va lui tège quelques jaunes. C'est là qu'il nous dit qu'il nous en faut 20. Tu vas voir que je vais être brain. Non, ça va. Hop. Nickel. On a eu tous les jaunes. Enfin, on a eu tous les jaunes. On a réussi à éclairer. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, t'inquiète, je sais ce qu'il faut faire. Je prends ça. Me voilà arrivé, Brittany. Où est-ce qu'ils sont tes. Ok, bah tu vas devoir attendre. Alors, je me mets bien là, nickel. Allez, venez. Et c'est par là. Bon. On s'en sort,
on s'en sort dans toute cette affaire. Ok, là il va me falloir des roses. Hop. Et on y arrive. Tout court. Voilà. Nickel. Plus de peur que de mal. Brittany. Voilà. Tu vas aller. Je pense que tu peux commencer très sérieusement à venir nous rejoindre. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ok. Hop, hop, et hop, et hop. Nickel. On n'a plus qu'à attendre. On va regarder où Brittany, comment elle s'en sort. J'ai pas l'impression que ça galère, ça galère. Ouais. Alf. Nickel. Brittany, attends juste là-haut, là. Que tes collègues, les Pikmin, ils arrivent. Charlie. Tu as tout le monde. Ok. Non, les roses vont ici. C'est nickel, on va arriver à construire un pont. Ah mais c'est un raccourci. Pour éviter de tourner, c'est ça? Ouais. C'est nice. Bon. Allez, revenez. Ok, alors attendez. Parce que Bribri, je vois que l'autre, il arrive. C'est nickel. Bribri, tu vas nous rejoindre. Ici. Et nous, on doit aller là. Donc c'est nice, c'est nice, c'est nice. On n'a plus de bombes, je remarque. On y est presque. Oui. Allez, nous on y est, en tout cas. On y est, mais on n'arrivera certainement pas. Phew, enfin arrivé. Ouais, ouais, t'inquiète, Bribri. Ils sont où, nos collègues, là? Ils bougent au moins, ou... Comment ça se passe? Ils arrivent. Ok, ok. Venez, 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 venez. Ah, est-ce que ils viennent directement si j'y vais avec Brittany? Là. Parce que là, on va devoir lancer une nouvelle journée, je vous le dis. Je suis assez content d'avoir réussi ça en une journée. Hein. Voilà. Allez, Bribri. Allez, Bribri. Allez, Bribri. Allez. Nickel. Parce que maintenant, on a l'oignon juste à côté, donc c'est cool. Mais il faudrait que... Nos amis les Pikmin roses, qui sont juste là, arrivent. Ils devraient pas tarder à arriver. Yes, ils sont là. Ouais, on a réussi à sauver le capitaine, on y marre. Mais là, terrible, il va se passer quelque chose. Oh non! Qu'est-ce que vous faites? Oh non! Il a capturé le capitaine Olimar! Le capitaine Olimar, c'est affreux! Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais voilà, il dit dépêchez-vous. Ouais, ouais, t'inquiète, frérot. Moi, je voulais juste ça. Je vois la note, là. Ouais, t'inquiète, je sais comment on fait pour le battre. Ouais, mais nous, tu vois, on n'est pas des gueudins. On va sauver Olimar, mais le prochain jour, tu vois. Reste là, tranquille. On arrive. J'espère qu'il faudra pas tous retaper au niveau du trajet. On va ranger tous nos Pikmin. Je vais faire OK. Et je vais aller jusqu'au soir. Voilà. Allez, allez au soir et on y retourne. Je passe la cinématique en 2-2. Voilà. Alors, on va boire un peu, enfin manger, se nourrir. Oh là là, dire qu'on a abandonné le capitaine Olimar. Ah, jour d'exploration 20. Ouais, ouais, on a eu des pertes. Ça, c'est sûr. Suite. Très bien, on va même pas lire le rapport, que c'est Alf qui l'écrit. Voilà, jour 20. Et il a pris une forme humaine, c'est ce qu'il disait. Je crois. Allez, sauvegarde en cours, nickel. Voilà, sauvegarde effectuée. Et maintenant, jour exploration, enfin exploration jour 21. 21 jours, j'ai aucune idée de combien ça fait... Enfin bon, bref. Allez, hop, c'est parti, on y va. Je passe les cinématiques. Toc, 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 toc. Ouais. À la rescousse du Capitaine Olimar. Ouais, 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 t'inquiète, frérot. Donc on le voit, il est juste là. Et là, hop, on va prendre 20 Pikmin de chaque parce qu'on va avoir besoin de tous nos Pikmin. Est-ce que tous nos Pikmin sont en fleurs? Oui. Donc, on va avoir besoin
Derok, boum. Et là, hop, on va s'écarter comme ça. Hop, l'avantage... Oula, merde. L'avantage des rocs, les gars, c'est que les rocs, eh ben, ils sont quasi incassables. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aimerais siffler les... voilà, je vais envoyer des rocs. En fait, le but, voilà, il va perdre de ces trucs dorés, là. Et ces trucs dorés permettent... Enfin, c'est ça qui lui donne la vie, en fait. Donc, avec les Pikmin Rock, on va le castagner. Parce qu'il peut pas les buter, les Pikmin Rock. Voilà. Et nous, on va envoyer tout simplement des Pikmin Rock casser ces trucs-là. Pour qu'il lui enlève de la vie. Tout simplement. Mais à un moment donné, on va avoir besoin de tous nos Pikmin en général. Donc voilà, on va envoyer ça là-dessus. Allez, je vais rien faire à mes Pikmin, abruti. Hop, là-dessus. Voilà, on va les siffler, ceux-là. On va en envoyer ici. Vous, vous revenez. Vous, vous revenez aussi. Voilà, il semble un peu paumé. Donc de toute façon, on va lui renvoyer dessus, là, comme ça. Tac, 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 tac. Toi, t'es, voilà, solo. Et donc, hop. Oh, revenez, 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 revenez. Ça, il faut faire attention. Je vous explique. Voilà, là-dessus, il va falloir qu'on envoie des Pikmin rouges. Que des Pikmin rouges. Voilà. Donc, il a réussi à me buter un Pikmin. Bon, en vrai, c'est pas trop grave. Je sais pas trop comment on s'en sort au niveau de sa vie. Bon, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Donc là, il, voilà, il tchic-tchic mes Pikmin en général. Bon, franchement, moi qui ai déjà dû le battre une première fois, on s'en sort vraiment pas trop mal. Ça, c'est pour les Pikmin bleus. Tac, 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 tac. Voilà. Donc les Pikmin bleus, ils vont tout démonter. Les Pikmin qui sont là, vous revenez. Les Pikmin... Oh putain, on a eu une note là. Il y a une note qui est apparue. Ouais, ouais, ça je sais. Oh non! Non! Mes Pikmin! Revenez, ne paniquez point! Donc ça, vous avez compris que c'était pour les rocs, voilà. Donc on va continuer à envoyer des rocs. Voilà. Là-dessus, on envoie les rocs. Je sais que quand ils volent, faut envoyer des... Alors, revenez tous. Revenez tous. Non! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Revenez tous! Revenez tous! Mais bande d'abrutis! Bande d'abrutis! Non! Les roses, je veux pas que... Non! Je veux des bleus là-dedans. Voilà! Nickel, bah super, ça servira à rien. Oh là là. On a perdu quelques Pikmin dans cette histoire. Alors, revenez tous. Boum! Ah putain, revenez. Ok. Là, on envoie les rouges. Vite, 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 vite. Voilà, allez, les rouges. Vous allez casser. Brittany, viens. Bon, là, on va arrêter de faire les fifous, tout simplement. Allez, les rouges. Allez, allez, allez. Voilà, je vous aide. Ok, là, il envoie de tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ça va être pour les rouges à tous les coups. Non, les Pikmin jaunes. Hop, allez, les jaunes. Ok. Toi, je veux que tu reviennes. Ok, mais on a eu on a une victime, là. Dans l'histoire. Ouais, non, mais foutez la paix. Ok, 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 ok. Alors, on va s'en sortir, les gars. Je veux qu'il refasse un coup, là. Ok, là, il va faire ses blocs, là. Nickel. Allez, on va reculer. Pikmin rouge. Tac, 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 tac. Les jaunes. Hop, allez, les jaunes, allez, les jaunes, allez, les jaunes. Voilà, nickel. Là, c'est pour les LA. Voilà, nickel. Hop. Ça, c'est pour les bleus. D'accord. Il a sifflé. Boum, boum, boum. Voilà, casser ça. Nickel. Je sais pas c'est qui l'a eu. Les LA. Voilà. Allez, les LA. Vous pouvez le faire. Oh putain, mes Pikmin sont trop forts. Ils sont assez autonomes. Oh ben voilà, ils l'ont eu. Putain, je me suis pris un coup à terre là et ils l'ont eu. Bon, on l'a eu assez rapidement. Ça demande des pertes, mais sachez que sur Wii U, le jeu est beaucoup plus dur quand même. En général. Moi là, je me suis relativement gavé.
en général. Ouais, c'est le jeu est plus simple, je trouve. Déjà, rien que le fait que le rayon des Pikmin soit plus grand et que quand on fait une attaque de meute, ça génère qu'une partie des Pikmin et pas tous, je trouve ça vraiment énorme. Eh bien, que d'aventure dite. Bon, alors, je vous laisse lire, hein, le capitaine du Dolphin. Ah oui, Dolphin. Oui, il avait perdu son vaisseau. Il aurait aimé le récupérer. Je me souviens. Oui, lui pardonner son comportement. À Louis. Il parle de Louis, là, si je me souviens bien. Enfin bon, oui. Normalement, on va le voir apparaître derrière lui, vous allez voir. Ah, la clé supraluminique. Ah, voilà. Splendide, nous allons. Sachez que j'ai jamais fini le jeu à 100%. Ah, je suis 100% satisfait, je crois, rassuré. C'est le destin qui vous envoie, cher capitaine. Oui, ah oui, c'est vrai que bah, du coup, il a plus de vaisseau. Et du coup, il va proposer à Olimar de le ramener à Okotat. Avec Louis, bien sûr. Louis qui va être derrière. Mangez, mangez, mangez. Pense qu'à bouffer. Olimar. Bon. Et là, bah, on a fini le jeu. Voilà. On l'a fini. Enfin, moi, je l'ai fini très rapidement. Il m'a fallu 3 jours. Hein. Voilà, j'ai fait le jeu en 3 jours. Vous, ce sera forcément plus long. Mais voilà. Voilà. C'est. Ils nous ont tellement aidés. Et oui, les Pikmin. Bon, bah, du coup, il n'y a pas d'autres jeux Pikmin. Enfin, s'il y a Hey Pikmin, mais il m'intéresse pas. Donc, peut-être qu'un jour, je vous ferai un let's play, mais c'est pas du tout dans mes projets. Voilà, je vous ai fait tous les Pikmin d'affilée, le 1, le 2 et le 3. Donc, voilà. Je suis content. Je suis ravi. Super. Je sais que là, il va y avoir un générique où ça va parler, donc je vais me taire durant ce générique-là. Et ensuite, on reviendra pour faire le débrief. And so the intrepid explorers successfully complete their mission. After securing a bountiful supply of edible matter and learning the valuable lessons of planning and teamwork, the explorers are set to become the saviors of their home planet. Under their guidance, the seeds they've recovered will be used to kick off a sustainable cycle of cultivation and harvesting, thus bringing new life to Copai. However, one question remains. What was the cause of the accident that sent the SS Drake hurtling to PNF-404 surface? Perhaps it wasn't an accident after all. Très intéressant. Très intéressant. Bon. Alors, moi je pense que vu qu'il y a eu un Pikmin 3 Deluxe, c'est que Nintendo n'a vraiment pas abandonné leur jeu Pikmin. Hein, parce qu'ils auraient très bien pu dire oh, Pikmin 3, voilà. Et peut-être qu'un jour il y aura un 4. Si un jour il y a un 4, je vous le ferai. Je serais ravi de le faire. Voilà. Bah voilà, donc débriefer le jeu. Le jeu, si vous avez la Switch, je vous le conseille. Si vous avez eu le jeu sur Wii U et que vous voulez le refaire, et que vous avez de l'argent à perdre, prenez-le sur Switch parce qu'il est clairement mieux sur Switch. Sur Wii U, il était vraiment très très dur. J'ai l'impression aussi sur Wii U que que c'est plus lent, genre on a moins de temps. Une journée fait à peu près 20 minutes. Là, on a plus de temps, c'est plus agréable pour les gameplays, etc. Et puis, je trouve la sensation beaucoup mieux. Voilà, rien que pour le sifflet qui est plus grand. Après, c'est sûr que si vous voulez du challenge, la version Wii U est forcément plus dure. Mais voilà, c'est un jeu que je vous conseille. Si vous n'avez jamais joué à Pikmin,
Vous pouvez commencer par le 3 parce que il est vraiment très très bien. Et si jamais vous êtes un peu dans le game rétro, ben n'hésitez pas à aller voir, aller jouer au premier Pikmin. Le 2, c'est le plus dur avec le 3 version Wii U. Mais voilà, le 2, que moi qui l'ai fait en let's play avec des épisodes qui peuvent parfois dépasser les 1 heure, il est très long et il est vraiment plus dur. Sachez que le gameplay n'a absolument rien à voir entre le 1, le 2 et le 3. Le 1 et le 2 sont très similaires, il y a 2-3 petits changements. Mais le 3 a revu quasiment tout le gameplay. On reconnaît les mécaniques, mais le gameplay n'est plus du tout le même et il est beaucoup plus adouci dans le 3. Mais il est quand même jouissif aussi dans le 1 et mieux dans le 2, il paraît. Enfin, les gens disent objectivement, c'est vrai que dans le 2 il est mieux. Le 1 est plus lent en fait. Je dirais pas que le 2 est mieux, je vais dire qu'il est plus rapide pour arracher les Pikmin, pour les actions, c'est plus rapide. C'est vrai que dans le 1, on a cette sensation de lenteur, mais ça va. Ah, quelque chose vient de s'écraser. Et avant que tout ça se finisse, je tiens à vous conseiller, mesdames, messieurs, qu'est-ce que je voulais dire? Je tenais à vous conseiller de regarder les petits dessins animés que Nintendo ont fait. Vous allez sur leur chaîne YouTube, et il y a 3 petits dessins animés de Pikmin qui est très sympa. Fin. Oh, quelle baie. C'est beau la fin. 1. Ça s'est mis en veille. Vous pouvez désormais affronter le Spectrum. Ouais, vous pouvez désormais sélectionner l'épopée d'Olimar 2 dans l'histoire annexe. Oh. Ouais, mais l'épopée d'Olimar, je crois. Sauvegarde effectuée. Rapport. Ah oui. Je crois que c'est des mini-jeux. Donc je voulais vous le faire en let's play au départ. Mais en fait. Bah non, du coup. Mais je sais pas, faudrait que je regarde et si c'est quelque chose que je peux vous faire en let's play, je vous le ferai. Du coup. Mais c'est pas sûr, hein. Je crois que c'est un truc un peu nul. Je vais juste voir ça. Du coup, ouais. Du coup, bah, on a les 2 premières lignes. Voilà, après, bon, c'est jouer au mini-jeu. C'est. Il y en a un que je crois que je dois être pas loin, ça doit être lui. Ouais, bon, ok. Bon. Bon. N'empêche que c'est cool. Bon, combien de. Oh, on a eu que 9 Pikmin roses au total des CD. C'est quoi qu'on a eu le plus? Des Pikmin rouges, ouais. En même temps, c'est les Pikmin du combat. On a eu 29 Pikmin Rock qui ont dû mourir dans la noyade en grosse majorité. Ou manger. Non, quoique, les Rock ils sont très résistants sur plein de trucs. Les jaunes, ouais, bon, les jaunes. Hein. Et bon, les rouges, c'est pas ceux qui m'inquiétaient le plus. Non, ça va, franchement. C'est très bien, on a fait une très belle récolte au Pikmin en général. Bon, terminé, qu'est-ce qu'on a? On a eu tous les fruits. On a fini le jeu à 100%. Est-ce qu'on a une petite scénette en plus éventuellement? Je n'ai jamais fini le jeu à 100%. Non. Ah, vous voyez le générique du coup. Waouh, la version Deluxe. Waouh, magnifique. Donc, histoire annexe recommandée. Ouais, si je vais dans histoire et que je vais dans un joueur, on a tout fini, normalement. Si je vais ouais, terminer en 22 jours, ouais, fin. Ouais. Bon, oui, retour à l'écran titre. Bon, bah, mesdames, messieurs, ce fut un grand plaisir pour moi d'avoir fini les Pikmin. Ça me fait un peu mal au cœur de me dire que j'ai fini Pikmin, mais tous, du coup, que là, en let's play, bon, bah, vous êtes tranquille pendant plusieurs années. Peut-être pas, hein, je vais me renseigner sur l'histoire annexe, hein, le truc recommandé avec Olimar. Et si c'est vraiment genre les mini-jeux comme l'émission, là, je vais vous montrer 2 secondes. J'avais un peu joué de mon côté, mais si en gros c'est des trucs comme ça, franchement, non quoi. J'ai cru comprendre que c'était des trucs comme ça. Mais non merci. Non merci. Bon bref, j'espère, mesdames, messieurs, que cette vidéo et que ce let's play vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube pour voir les autres let's play que j'ai fait, pour vous donner une petite mise en bouche comme ça, hormis les Pikmin, j'ai fait plein de Zelda. Bon, il y a des let's play de Zelda qui datent un peu, mais depuis mon retour sur YouTube, il y a Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword qui a été fait,
et qui est en train d'être fait, Skyward Sword. Après Skyward Sword, vous aurez A Link's Awakening, que j'ai fait il y a très longtemps en let's play, que j'ai mis en stock et qui va sortir après. Vous avez également Mario 64, que j'ai refait la version collector, la 3D All-Star, parce que mon let's play datait un peu. J'ai fait Mario Sunshine, qui date d'il n'y a pas trop longtemps. J'ai fait Alice Retour au Pays de la Folie, je vous parle vraiment des plus récents que j'ai fait Portal 2, Luigi's Mansion, durant le confinement j'ai fait Luigi's Mansion, donc voilà, je vous conseille voilà, de tout simplement aller vous livrer entre le nouveau Mantotti quand il est arrivé et celui qui a été un peu plus ancien avec une ancienne méthode de punch, etc. Bref, sur ce, je vais pas vous déranger plus longtemps. J'espère que toute cette aventure vous aura plu. Et moi je vous dis ciao et à la prochaine. Bye tout le monde!